Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Scribone. En dessous de cette vidéo, surtout abonnez, cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse ce que vous regardez cette vidéo. Ce que nous allons dire là, c'est un constat. Un constat, hey, que nous avons fait hier seulement. Ah! Nous allons vous le dire ici. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit de ne pas nous affectionner aux choses mauvaises des ténèbres, mais nous devons les condamner. Dieu lui-même nous dit de ne pas nous attacher à tout ce qui est mauvais. Il sait pourquoi il a dit. Moi, je suppose qu'il sait pourquoi il a dit. Et moi-même, hier, j'ai fait une expérience. C'est-à-dire, c'est venu comme ça. Je suis tombé sur une vidéo réaction d'un youtubeur comme vous et nous. Et cette vidéo réaction là, ce youtubeur là parlait, il réagissait sur quelque chose qui s'est passé dans le catch. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire il a vu un truc dans le catch et c'était violent. Donc il voulait parler de cela parce que vraiment c'était violent. Moi, comme je suis cet homme-là, je regarde en général quelquefois ces vidéos et que je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais de quoi va-t-il parler ici? Alors, ça avait ma curiosité et j'ai cherché à voir de quoi il s'agit. Et c'était du catch. C'était des catch. Envoyer des catcheurs, franchement. Très violent dans les actes, les actions, très violent dans les gestes, qu'ils étaient en train de tout simplement se bagarrer comme d'habitude. Ils se bagarraient, ils faisaient des trucs et je regardais. Je ne faisais que regarder. J'observais. À un moment donné, j'étais là et je regardais. Et puis je dis, mais. Je regardais jusqu'à ce que je dis, c'est violent. Hein? C'est violence, mais c'est que de la violence même ici. C'est la violence. Et je continuais à regarder. J'ai passé un moment à regarder. Hein? Et je suis tombé sur d'autres vidéos, d'autres catcheurs qui étaient en train de se bagarrer. Et pendant que ces catcheurs étaient en train de se bagarrer, là, je voyais que ils se lançaient des coups de poing. Est-ce que vous voyez? Ils se lançaient des coups de poing. Mais ces coups de poing-là, c'était faible. Ces coups de poing étaient faibles, ces coups-là, c'était faible. C'est là qu'il dit, oh, c'est vrai, c'est que c'est quoi on nous dit que sur le catch c'est truqué, ce n'est pas trop, ce ne sont pas des vrais coups qui se donnent, là. C'est peut-être vrai. C'est-à-dire, il se donne des coups comme ça. Oh, et puis il crie, ah, ah, et tout le monde pense que il se bagarre sérieusement. Il dit, bon, si il se bagarre, si il ne se donne pas de vrais coups, que ce sont des coups légers et que c'est du divertissement, c'est juste pour se faire plaisir, juste pour faire un peu des trucs, sauter, faire amuser les gens. C'est-à-dire, au fur et à mesure là, que je regardais là, une partie de moi commençait à faire quoi? À accepter le mal. C'est comme si une partie de moi commençait à faire quoi? À appeler le mal bien et à justifier même cela. Vous dites non, c'est de la blague, ils sont en train de blaguer, même s'ils sont en train de se toucher comme ça, voilà, c'est juste la blague. Hey! Hey! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'étais en train de regarder le catch là, au fur et à mesure, j'étais en train de faire quoi? Ouvrir une porte au mal, ouvrir une porte dans mon cœur, à qui? À Satan. Dans la mesure où j'acceptais maintenant et même je justifiais le péché. Je justifiais comme ça le mal. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de regarder ce qui est mauvais, là, vous commencez à aimer cela. Et quand l'amour naît là, vous n'avez plus la force de dire que telle ou telle chose, là, c'est mauvaise. C'est une mauvaise chose, c'est mauvaise. Voici le problème. À un moment donné, ça crée d'autres problèmes. Et voici comment
D'autres démons profitent de cela pour rentrer dans votre cœur, rentrer en vous et provoquer d'autres situations. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand ils finissent de regarder de telles choses, ils vont se masturber. Ils vont se masturber. Posez-vous la question, hein, comment ça se passe? Mais c'est ça. Parce que c'est quoi? Voici comment ça se matérialise. Et c'est une chose que j'ai découverte hier. J'ai découvert que quand on regarde des trucs qui ne glorifient pas Dieu, là, on s'affectionne aux choses mauvaises des ténèbres. Et une fois que l'amour naît, là, on ne peut plus dire non au péché. On ne peut plus dire non, non à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et le diable commence à vous avoir comme ça. Et si vous mourrez dans ça, l'enfer direct. Voici comment le diable prépare le chemin de l'enfer. Voici ça. C'est une expérience, hein? C'est un constat. Moi, c'est un constat que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous aussi, là, vous avez déjà vu ça, mais vous n'avez pas fait attention. C'est l'heure de vous réveiller et de mettre les points sur les i, de regarder, chercher à savoir ce qui se passe dans votre vie. Faites cette expérience. Bon, je vous invite même pas à faire cette expérience. Mais si vous êtes déjà dans cette histoire-là, faites attention. Jetez un coup d'œil encore pour voir si ce que nous avons dit là, c'est vrai. Là, là. C'est la plus une histoire que nous on a dit. Vous-même, vous pouvez faire cette expérience et vous allez nous le dire. Dans la partie commentaire, réagissez maintenant. Let's go. Abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. Nous sommes prêts pour vous aujourd'hui. Let's go. La prochaine vidéo, abonnez-vous. Let's go.